Bon, bah on se retrouve, ça fait un petit bout de temps quand même qu'on s'est pas vu. Attendez, il y a des cheveux sur mon micro. Je suis un crasseux. Mais je pense que depuis longtemps, vous le savez. Yo les gars, c'est Jojo. Johan Paps. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo incroyable. Une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube. Une vidéo. Je vais recommencer à me postiche comme au bistrot. Parce que je vous l'ai dit la dernière fois, j'adore me poser comme ça. Pourquoi je vous accueille dans une petite chemise à rayures? Alors non, je n'ai pas gagné à l'euro million. Pas le même décor derrière. Putain, ça doit être vraiment bien d'être millionnaire. Manger du foie gras tous les jours. Et plus jamais prendre le RER. Mais aujourd'hui, je vous retrouve parce que il va se passer un truc incroyable. Comme vous l'avez vu derrière moi, on aperçoit Anna Nicole Smith avec son énorme poitrine le jour de son mariage avec son mec qui avait 98 ans, je crois. Elle en avait genre 30. Même pas 25 peut-être. Bien évidemment un mariage d'amour. Oui, aujourd'hui en fait, c'est super bizarre de dire ça. Bah en fait je vais vlogger ma demande en mariage. J'ai décidé... Bon en fait je vous explique. En gros, on part à Las Vegas avec Lena Mahfouf, aka Lena Situation. Mais du coup, je vois pas l'intérêt d'aller à Las Vegas si tu te maries pas. Enfin, il y a aucun intérêt, je suis désolé. Je vais pas à Las Vegas pour jouer aux machines à sous et manger des crevettes géantes. Enfin si, un peu. Mais pas que, j'ai envie de faire d'autres trucs. Donc j'ai décidé que j'allais... demander Lena en mariage là-bas. Ça a l'air hyper bizarre de dire ça, non? Vous me suivez dans mes délires, vous me comprenez. En fait, pourquoi je fais ça? Je sais que Lena en ce moment elle va pas très bien, il y a eu des événements un peu compliqués dans sa vie, tout ça. Et je m'étais dit qu'un mariage ça remonte forcément le moral, non? Donc, pour ce faire, j'ai contacté un de ses meilleurs potes qui s'appelle Dylan Parianti, qui fait des robes, qui est un créateur, un styliste, qui fait des robes de ouf et qui a habillé Bilal pendant l'Eurovision. Donc je l'ai appelé, je l'ai FaceTime et je lui ai dit de me faire livrer une robe. Lena est pas du tout au courant, genre personne au courant. La robe de mariée de Lena est là-dedans. Oh, waouh. La boîte. Putain, va falloir que je foute une robe de mariée dans ma valise, ça va être quelque chose. Par contre oui, là je suis en train de penser. Oui, vous faites pas des films hein. C'est pas les robes de mariée en mode Lady Diana avec la traîne de 15 mètres. Bah déjà, pour que ça rentre là-dedans, vous doutez bien que c'est pas une robe avec 1000 froufrous. On va quand même à la... Waouh. Bon, je dis ça, il y a genre 1000 froufrous qui sortent. Ah mais il y a le voile et tout. Génial. Attendez, je le coince dans mes cheveux. Qui vient m'épouser? Oh waouh. Ah je suis choqué, mais c'est magnifique. Mais c'est quoi ça? Dylan Parianti, un génie, il m'a pas envoyé une robe de mariée. Je commence à fouiller dans la boîte, je sors la première robe et je vois qu'il y en a une deuxième. Magnifique. Bon guys, du coup, maintenant il est l'heure pour moi d'aller m'acheter un nœud papillon et surtout d'aller acheter les bagues parce qu'on va pas se marier sans avoir des bagues. Et j'ai envie de garder une bague au doigt. J'ai aucune bague, j'ai jamais eu de bague de ma vie. J'ai trop envie d'avoir une belle bague, donc je vais aller nous acheter des alliances. Je pense que je vais acheter des vraies alliances, j'ai pas envie d'acheter de la merde parce que je pense qu'on se marie qu'une fois dans sa vie. À Vegas. Sachant que moi, en vrai, je me suis déjà marié une fois à Vegas, sauf que j'ai été mineur pour les États-Unis, j'avais 18 ans, j'avais pas encore 21 ans. Je suis très problématique, je vous l'avais déjà dit. Donc là, ça va être vraiment mon vrai mariage. Bah oui. Je vais sur mes 37, donc je vous retrouve en mode vlog dans un instant. Bon, je suis sur les Champs-Elysées et je me fous vraiment pas de la gueule de Lena du coup. Parce que regardez où je vais aller lui prendre une bague. Mon gossip girl is shook. Bonjour. Je me sens pas du tout à ma place. Bon, du coup, situation conjugale, je pense que maintenant je dois m'être mariée, exactement. Hop. Quelle jolie boîte. Je me sens André Burn. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir. Bon, c'est bon du coup. J'ai les bagues, j'ai les alliances. Maintenant, il me reste à trouver un nœud papillon. Parce que j'en ai pas. Tu vis la belle vie là? Elle est littéralement en train de dormir en mangeant. J'avais jamais vu ça. J'adore cette situation. Bon écoutez, aujourd'hui c'était une journée plus que banale. Je pense que tu aurais bien mangé et prendre des forces car dommage, une grosse journée qui nous attend. On a un festival et tout. Ah oui, un sacré festival à qui dis-tu? Quoi? M'amoureux. Hein? M'amoureux. T'as pas compris? La blague. Ouf, tu sais. Toutes les blagues. Oula, je vais m'allonger dans tes pattes. Toutes les blagues ne sont pas bonnes à être racontées. Cette pauvre fille est en train de dormir debout. Et je la baratine avec mes énigmes du père Fouras. On dit Fouras ou Fouras? C'est le cadet de mes soucis, ça. Comment s'appelle le père Fouras? J'ai envie de goûter ton garlic bread, mais après je vais puer de la gueule.
Putain, putain, j'espère qu'il n'y a pas trop d'écho, hein. Attendez, comment je peux vous poser? Ah bah parfait. Voilà une solution. Bon les gars, je vous retrouve dans la salle de bain. On est le deuxième jour à Las Vegas. Du coup, j'ai passé une nuit horrible. Je vais pas vous mentir, une nuit catastrophique. Je me suis levé toutes les heures, tel un nourrisson en surpoids. Donc oui, je disais, aujourd'hui, du coup, c'est le jour où je dois demander les noms en mariage. Mais, comment vous dire? Oula, j'ai un qui sort du peignoir. Pardon. Les vidéos Marc Dorcel, ça va pas pour tout de suite. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que Léna, elle... Bah en fait, je sais pas. En gros, elle parle à un mec. Elle a un crush, donc je l'ai vu parler toute la night avec son crush, j'imagine. Bah au début j'étais sûr de moi, j'étais sûr qu'elle allait vouloir m'épouser. Mais là du coup je commence à me poser la question, je suis beaucoup moins sûr. Donc très très peur de me prendre un vent phénoménal en plein milieu du désert. Donc voilà, et du coup j'allais là, en fait tout ce que j'allais faire c'était tout simplement, excusez-moi, me raser. Car même si elle refuse de m'épouser, je ne peux pas lui faire une demande en mariage avec la barbe de quelqu'un qui accumule les addictions. Voilà, j'ai besoin de me raser. Donc on va faire ça ensemble, on va faire un petit chit-chat make-up. Sans make-up du coup. Je devrais grave lancer ce concept là. Un chit-chat make-up sans make-up. Ce serait une FAQ en fait. Bah voilà, je suis toujours pas un canon de la beauté, mais bon. C'est déjà mieux comme ça, non? Ça a l'air plus propre déjà quoi. Tu veux qu'on le fasse? Tu t'es cogné? Le tibia! Mais c'est fou Las Vegas quand même. On dirait vraiment qu'on est à la NASA. Un beau clip, écoute. Tonight. On pourrait passer sur Bouscapé, c'est déjà pas mal. Bon, du coup, Léna va aller boire un petit verre. Oui. En fait, regarde, c'est des verres et c'est fabriqué par des robots. Ouais, en fait, il y a pas de serveur dans le bar, c'est genre des robots qui te font les cocktails. C'est un truc de malade. T'as pris quoi? Moscow Mule. C'est ça, bois. T'en auras besoin, Léna. Santé. À nous. C'est super fort. C'est super bon surtout. Et là, ben, c'était le moment fatidique. Bon, les gars, ça y est, on s'est bien baladé dans Vegas. Là, Léna, elle vient de courir après des pigeons. Maintenant, il est l'heure d'aller faire ma demande. Je suis plein de caca. T'as la vague, elle est ici ou quoi? Ouais. Vas-y. Bon, ben, croisez les doigts parce que si je me prends un vent sur YouTube, vous ne verrez jamais cette vidéo. Voilà. Peut-être que ça passera dans le bêtisier que je le sortirai l'année prochaine. Elle est en train de taper des pouces chelous là-bas, les gars. Bon, Léna, marche. C'est tout interrompu en plein milieu d'un vlog, mais on est à Las Vegas. Qui dit Las Vegas dit... Ah mais aussi... Tu veux la quoi Disney, la robe blanche, tout ça. Léna Marcoufa. Aka, la mode à Marcoufa. Veux-tu m'épouser, wesh? Putain mais c'est une Tiffany. À Vegas? À Vegas, bien sûr à Vegas. Oh, bah, ouais. Tu fais là-bas? C'est oui ou non? Attends, j'ai tellement de trucs qui rentrent dans ma tête, je sais pas quoi te dire. C'est oui. Yes. Et bah ben maintenant je peux te dire, j'ai réservé la chapelle demain à 14h. Franchement si tu m'avais dit non, j'aurais grave le salon. C'est comme rincer ma chienne dans ma... Attends, mais t'es... On va se marier. Elle m'a fait un contrat, hein. Tu prends pas mon argent. J'ai une bague. C'est pour ça que depuis qu'on est arrivé, t'es farouche un peu. Je suis pas farouche. J'adore. Tu vas être l'homme de la situation. Bien sûr. J'ai la même. T'as une bague d'Ibanez. Bah oui, c'est la même, wesh. On était matching. Regardez ces deux anneaux. Oui, j'étais en stress pour rien. Je vous ai dit, je suais, j'étais plein de caca pour rien en fait. T'as accepté. Oh, toi, t'allais me dire non parce que t'es grave dans un mood bizarre. Et vu que tu. Non, non. Chut, vu que tu parles à quelqu'un depuis quelques jours. J'étais vu qu'on était sur ton téléphone toute la nuit. Hein? Je suis à 5h. Donc j'avais un peu peur que tu me dises non. Il va so être jealous. J'ai hâte. Je suis sûr qu'il n'a pas un corps d'Algérien beau comme le mien. Un bronzage aussi naturel que le mien. Mais il faut que je sois robe et tout. Ah, mais en fait, c'est pour ça que je t'ai dit que j'étais dans la merde. Putain, en plus, je suis en blanc aujourd'hui. Et toi aussi. Oh merde, t'as du fond de teint sur toi. T'apprendras à vouloir te marier avec moi. Voilà, voilà. Léna Marcouf. Attends, mais c'est un. C'est pas ma tenue de mariage, t'inquiète. Mais tu veux dire qu'en France, je peux me marier quand même? Oui. Avec moi. Non. D'autres questions? Appelle mon avocat. Donc, je disais. En fait, c'est pour ça que j'étais grave dans la merde, je me disais non. Parce que pour les robes et tout, c'est tout bon en fait. Je t'ai montré dans l'hôtel, mais j'ai appelé Dylan Parianti. Oh non, mon soleil. J'ai appelé Dylan et tout, et il m'a envoyé des robes en DHL. Deux robes en plus, qu'il faisait. C'est des vraies robes de mariage. Ouais. Dylan, d'ailleurs, si tu regardes ça, merci mille fois. T'avais quoi si j'avais dit non? Bah, franchement, je l'avais dans le cul. Demande à Alexis. Je l'avais dans le cul. Je suis mariée, bitches. Mon soleil, t'étais comme ça, t'es. Oui,
Je me suis jamais mis à genoux devant personne à part Roger Phoenix. Oh, on va se marier. Qu'est-ce qu'on est bien quand on est dans son mariage. Bon, du coup, après cette demande en mariage, il est l'heure d'aller faire une sieste. J'en rêve, putain. Une heure de mariage, déjà, me regarde même plus dans les yeux. Donc voilà, là, on va faire une petite sieste parce qu'on est épuisé. Quoi? Tu sais que je suis obligé de me caresser les boules pour m'endormir. Genre là, tu vois, je vais super bien dormir. Je suis vraiment en train de me toucher les boules. Je peux changer de chambre, s'il vous plaît. Hi, I would like to change my room. Je rigole, arrête de tuer tes couilles. J'adore, ça m'aide à m'endormir. Et après, je pas, jamais la main alors. Un même refait la tête. Ah, je voudrais qu'il y ait des stickers de toi. Tu sais que c'est horrible parce que quand tu me faisais la demande en mariage, ouais. Dans ma tête, j'avais vraiment la chanson qui tournait. Elle est bonne, sa mère, elle twerk sur la piste. Vraiment, moi, quand je suis sur Iberit. Allez, il est l'heure de dormir. Je te laisse. Je devrais monter cette vidéo parce que je vous aime. Mais là, j'ai vraiment besoin de faire une sieste. Elle twerk sur la piste. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils sont si moelleux en fait, vraiment. J'ai l'impression d'être sur mon ventre en cinquième. Bon, du coup, il va falloir que je repasse ma chemise, ça va être une catastrophe, je ne sais absolument pas repasser. Enfin, je sais repasser, genre les trucs simples, les t-shirts, les jeans, mais les chemises. Oh, la mission du diable. Tu repasseras mon linge, tu crois qu'on sera mariés ou pas? J'ai peur de rien. Oups. T'as vraiment pas choisi. Moi, je peux faire la manger si tu veux, mais le repassage, je sais pas faire. Ah non, mais tu fais tout. Ah ouais. Bon, ben, I guess, on aura des vêtements froissés. Putain, moi aussi, en plus, ça fait 3 jours, on mange des chips. J'ai trop faim, les gars, je suis affamé. 3 jours, on mange Doritos, Cheetos, Takis, Zubbies. Mais là, j'ai envie de manger un vrai plat. J'ai envie de la Cheesecake Factory, de commander un plat de pâte Alfredo à l'ail et au poulet. J'aime pas l'ail, j'aime pas le poulet. On commande... pas le poulet? Non. On annule le mariage, sinon je pète un bloc. Hop. Putain, heureusement qu'elle a pas fouillé dans les affaires, parce que j'avais tout planqué dans le placard. Normalement, elle pouvait trouver à tout instant. Dans ce joli placard, regardez. Je te donne laquelle en premier? Parce qu'il y en a deux. Est-ce que tu veux celle qui est genre princesse ou tu veux celle qui est bad bitch? Oh mon dieu, je sais pas. Fais-le pour mon mariage. Mais en fait, c'est comme là, c'est un faux mariage. Je pense que je suis plus en mode sexy bad bitch. Oh, oh my god! Oh. Vraiment, tonton Dylan snapped. Oh non! On peut se marier pour de vrai! Il y a un voile et tout. Hein. Mais moi j'étais choqué quand j'ai ouvert le colis. Putain, mais t'es malade! T'as ramené des robes de Dylan Morency à Las Vegas! Il y avait que ça dans ma valise. Ça et un paquet de chips et mon passeport. C'est pour ça que je suis en débardeur. Depuis 3 jours. Je me suis pas changé. Je sais pas, je veux quoi. Je pue la snane acide. Oh, je peux mettre ça en chaussures de mariage? C'est drôle, non? C'est un peu dans le thème en fait. Hein. En soi, Vegas. Bah en soi, j'ai soit ça, donc. Bah ça, ça fait très. Non, Texas. Mais ça, c'est plus Vegas, non? Tintintin. Non, c'est pas ça, mais c'est. Tananananananan. Ka 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 ka. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta. Ah, je vais clamser. Tu peux ne pas le prendre mal, mais est-ce que je peux garder genre une robe comme ça pour mon vrai mariage et je mets la sexy pour le nôtre? Alors, vous savez quoi? Moi, ça me dérange pas. Mais à ce moment-là, je ne vous montre pas la deuxième robe parce que pour le coup, elle est vraiment scandaleuse. Mais parce que. En fait, non mais celle-là garde-la pour ton vrai mari, puisque je ne suis pas ton vrai mari, donc de toute façon personne ne veut m'épouser, je vais finir mes jours seul avec des chats qui puent la pisse. Bien sûr que tu vas finir seul quand j'ai vidé tout ton compte et que je vais me barrer. Et tu sais quoi, je vais même prendre les chats avec moi. J'ai hurlé. Deux autres t'épouser pour de vrai. Donc ouais, je vous montre pas la robe. Et on vous retrouve du coup, bah moi je vous retrouverai dans une autre tenue parce que là je suis toujours en mode beauf. Bon, on va aller se marier alors. Mais t'as pas un nom. Mais c'est génial, depuis tout à l'heure, je l'entends très bien. Attends, mais moi, je suis petite. Ouais, c'est vrai. Ils sont géniaux. Mm-hmm. Oh, les j'ai trop hâte. Je pense que je vais mettre mes grises. Ah, c'est trop drôle, ouais, vas-y. Bah, fais tout ce que tu pourrais pas faire à ton vrai mariage, tu vois, donc kiffe. Je vais vous donner une astuce que le mec qui fait les grises m'a donnée. Mais franchement, c'est grave chelou. Vous voyez, en gros, les grises, pour qu'ils tiennent bien sur vos dents, il m'a conseillé de mettre les trucs pour les dents des vieux, genre les fausses dents. En gros, tu mets du fixe aux dents dans ton grills. Ah ouais? Ouais, je te jure. Pourquoi ça tient pas quand tu le mets? Bah, ben, ça bouge quoi. Oh, j'adore. C'est dommage, on n'est pas fait un clic courbe les dents. Je vais en faire des autres là.
Tu peux demander à que j'en connais plus. Tu vas avec moi, tu veux. Je vois pas pourquoi on est en train de stresser parce qu'il y a rien qui peut se mal se passer puisque c'est même pas vraiment. C'est vrai. Non mais attends, mais moi tu sais que j'ai des enjeux dans ce truc. Mais oui. Tu signes pas le papier dans mon dos, hein? Non, t'inquiète. Est-ce que je suis belle? Magnifique. T'as même pas regardé le miroir. T'es la plus belle. Tiens, respire. C'est bon? Ouais, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, j'adore. Tu peux fermer, je peux fermer? Ouais. Respire plus. Putain, j'aurais pas dû manger les pâtes. Zouf! Vas-y, vas-y, vas-y. Oh yes! Putain, je vais peut-être mettre un soutif. J'ai vraiment pas de sang. Oh, qu'est-ce que c'est beau, c'est de la haute couture. Ramène le voile. Putain, j'ai failli mettre le voile dans la sauce au bleu, j'ai eu super peur. Tiens. Moi, je veux pas qu'on voit mes cheveux, t'as pas compris? Je veux. Non, non, mais faut pas te faire long, on dirait la nonne, wesh. Attends, tu peux me mettre. Elle s'est fait une ponytail avec les. Ma vie, Ariana. Ariana, tu passes quoi? C'est zico. Putain, elle va nous placer son plus égal plus même le jour du mariage, c'est pas possible. Deux? Une pour toi, une pour moi? Ouais, c'est vrai. Allez, viens, Cendrillon. Aïe, aïe! Attends. Tout est complètement normal, la situation est sous contrôle. Regardez-la derrière. Je t'en sors. Ouais. On va à notre mariage, j'ai peur. C'est génial, c'est votre plan pour notre mariage. Comme par hasard. Pourquoi tu ouvres pas la porte de ta mariée? Bah oui. Ah merde, c'est vrai. Divorce, c'est machin ou pas? Je t'en prie, monte. C'est un mess. Un mess. Donc nous allons à présent à la chapelle nous marier. Oh non, ma mère, Mesquine. Quoi? Mesquina, c'est une fille, wesh. Je n'arrive plus à répondre à mon téléphone tellement on m'appelle pour te féliciter. Oh non. Oh non, je me sens trop mal. Toute ma famille au bled, ils pensent que... Oh non. You. Donc je vous disais les gars, nous allons à la chapelle à présent, on est dans le Uber. Et donc du coup je vais terminer mon vlog ici, c'était les préparatifs de mon mariage. En tout cas n'oubliez pas de laisser un... pouce blanc. De notre mariage. Exactement. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner, d'activer la cloche, blablabla. Je vous embrasse très très fort et bah le mariage sera sur la chaîne de Léna du coup. A très bientôt pour l'épisode 2.